Le Centre d'art Orford vous accueille du 13 juillet au 18 août durant son festival qui a pour thème cette année la musique de Tchaïkovski. Écoutons Jean-François Rivet, directeur artistique du Centre d'art Orford. Bonjour. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le Festival Orford 2013. Cette année encore, fidèle à notre tradition, vous pourrez venir entendre un grand nombre de concerts, visiter des expositions de peinture, de sculpture, entendre de jeunes musiciens aussi bien que de grandes vedettes internationales, et toujours sous l'égide de cette idée qui est le mariage entre les formes d'art, la synergie entre les différentes manifestations artistiques. D'abord, la saison va s'ouvrir avec un concert d'ouverture que je vais diriger. Nous invitons les Violons du Roi dans un concert qui met la danse à l'honneur. Dans la première partie, avec de la musique baroque, nous aurons l'honneur de vous présenter Marie-Nathalie Lacourcière, qui vous dansera une suite de danse baroque, ainsi que plusieurs autres œuvres jouées par les Violons du Roi. Et en deuxième partie, avec des danses plus romantiques et plus tiganes, se termineront sur la visite extraordinaire d'un danseur à claquettes, qui est une grande vedette de Broadway, et qui va vous faire une création de Hayrat Ishmuratov. Ça m'amène à vous parler du compositeur de l'été. Car comme vous savez, chaque année, je choisis un compositeur de l'année. Cette année, ce sera Hayrat Ishmuratov, un jeune compositeur montréalais d'origine russe, qui est naturalisé canadien et qui est très prolifique. Alors, Hayrat va nous composer une œuvre pour les Violons du Roi, mais nous le jouerons aussi avec l'orchestre plus tard, et il sera aussi joué par le Quatuor Orford dans l'été. Le thème global de notre été s'appelle l'expérience Tchaïkovski. Et pourquoi? Parce que plus tard, lors du stage d'orchestre, vous aurez le plaisir d'entendre coup sur coup, lors de trois concerts, les trois plus importantes symphonies de Tchaïkovski. La quatrième, la cinquième et la sixième, dite la pathétique. Évidemment, il y a aussi du Tchaïkovski ailleurs dans la saison, ce qui relie l'ensemble de notre été sous l'égide de l'expérience Tchaïkovski. Une fois que la saison est commencée, vous allez avoir plusieurs séries de concerts qu'on peut regrouper comme suit. La série orchestre, la série piano, la série petits ensembles et la série musique sacrée à l'abbaye, bien sûr, notre série jazz habituelle et quelques concerts hors série. Série orchestre. La série orchestre, évidemment, c'est le produit de notre fabuleuse Académie d'orchestre. Trois concerts ici au centre, dont un sera repris au Festival de Lanaudière, un autre à Granby et un troisième à la Maison symphonique lors de la Grande Virée classique de l'OSM. Le premier concert, je le dirigerai. Vous aurez comme soliste le jeune pianiste prodige Jan Lisicki, que vous connaissez tous dans le concerto de Grieg. Je dirigerai la quatrième symphonie de Tchaïkovski et une ouverture d'Hayrat Ishmuratov. Deuxième concert, dirigé par Maestro Yoav Talmi, ancien directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Québec, qui vous jouera la cinquième de Tchaïkovski, mais aussi avec le jeune violoniste Timothy Chui, le concerto de Dvorak, ainsi qu'une œuvre de Goujon, Le Jardin mystérieux, pour commencer. Goujon qui vient de Granby, d'ailleurs. Troisième concert que je dirigerai, la sixième symphonie, la pathétique de Tchaïkovski, et enfin le violoncelliste Stéphane Tétrault dans le concerto en do de Haydn, ainsi que les variations sur un thème de Haydn de Brahms. C'est le concert qui sera repris à Montréal, d'ailleurs. Série piano. La série piano regroupe un grand nombre de vedettes. C'est notre plus importante série. D'abord, le pianiste André Laplante, que nous aimons tous, qui, tel un héros, va nous jouer la grande toccata en do majeur de Bach Busoni, ainsi que diverses œuvres, et couronnera avec la symphonie Wanderer de Schubert. Nous aurons la visite du poète italien Benedetto Lupo dans une première partie Schumann et une deuxième partie Brahms avec les intermezzo de l'opus 116, 117, un concert à ne pas manquer. Vous allez avoir aussi deux jeunes pianistes très, très prometteurs. Une que nous connaissons déjà sur la scène internationale, Marika Bournaki, qui a choisi de nous interpréter tous des compositeurs qui ont vécu ou ont été influencés par leur visite à Paris, dont des Français comme Ravel et Poulenc, bien sûr, mais aussi Mozart et Rachmaninoff, etc. Aussi, le jeune gagnant du concours de l'OSM de cette année, Xiaoyu Liu, un jeune pianiste absolument extraordinaire de 16 ans, qui va vous interpréter tout un programme virtuose et vous en mettra plein la vue avec son talent incroyable. Enfin, évidemment, nos Orford 6 pianos seront présents comme d'habitude.
Cette année, ils vont nous faire un concert un peu particulier parce qu'il y a plusieurs anniversaires à souligner cet été. D'abord, c'est le bicentenaire de la naissance de Wagner et de Verdi. Alors, une ouverture de Verdi, La force du destin, une ouverture de Wagner, Tannhäuser, mais c'est aussi le centenaire du Sac du printemps de Stravinsky. Et j'ai proposé au 6 Piano de nous faire, à Francis Perron, de nous faire une transcription du Sac du printemps de Stravinsky. Et après peu d'hésitation, il a accepté avec enthousiasme. Alors, nous allons avoir une version pour 6 Piano du Sacre du printemps de Stravinsky cet été. Série Petits Ensembles. La série Petits Ensembles. Dans cette série, trois concerts. D'abord, la visite extraordinaire d'un des meilleurs trios piano au monde, le Vienna Piano Trio, qui fait sa première visite en Amérique avec son nouveau violoniste, un jeune prodige extraordinaire. Ce trio vétéran va nous interpréter, entre autres, le trio de Tchaïkovski, qui, évidemment, met notre thème de l'été à l'honneur. Ensuite, notre quatuor à cordes, le nouveau quatuor Orford, qui ne cesse de récolter les honneurs, les critiques élogieuses, qui a produit des disques formidables cette année. On est très fiers du quatuor Orford et cet été, dans leur concert, vont nous présenter l'opus 18, numéro 6 de Beethoven, vont nous présenter un quatuor de Brahms, mais également le quatrième quatuor de Hayrat Ishmuratov. Ce sera une création pour vous. Et enfin, dans la série Petits Ensembles, la première visite au Québec de la grande violoniste européenne Elina Vahala, qui est une Scandinave, qui fait sa marque partout en Europe et qui va nous jouer cet été un concert autour des amours de Clara Schumann. Comme vous savez, Clara Schumann a été impliquée avec Brahms dans toutes sortes de liaisons dont on ne sait pas la nature. Mais évidemment, il y a Robert Schumann dans le décor. Alors, du Robert Schumann, du Clara Schumann et du Brahms. Avec Marjolaine Goulet, premier corps de l'Orchestre symphonique de Québec, avec Wani Song, un pianiste qu'on aime beaucoup. Elina Vahala va nous présenter les amours de Clara Schumann. Voici pour la série Petits Ensembles. Série Jazz. Je suis bien fier de vous présenter cet été trois concerts de jazz qui vous empêcheront de rester assis sur vos chaises. Premièrement, la visite du grand guitariste mexicain virtuose Gil Gutiérrez Sanchez, qui présente une musique absolument sulfureuse, qui est un mélange de tango, de jazz et de musique latino-américaine. Une musique absolument enlevante et extraordinaire, avec son band, évidemment. Ensuite, Renée Lee, la diva canadienne, va nous faire, avec le grand Oliver Jones et son trio, un hommage à Ella Fitzgerald, bien sûr. Et enfin, le troisième concert de jazz vous présente Dizzy Monk Birdie, les rois du bebop. Évidemment, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk et Charlie Parker Bird. Alors, les rois du bebop, revisités par nos vedettes québécoises Ron DiLauro à la trompette, Alain Caron à la basse, Rémi Bolduc au saxophone, etc. Toute une brochette de stars qui vont vous faire revivre les rois du bebop à leur façon. Série Musique sacrée. La série de musique sacrée à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Deux concerts. Premier concert, la musique des grandes cathédrales, présentée par le chœur du Studio de musique ancienne de Montréal. Alors, c'est le chœur seul, a cappella, qui vous présentera la musique de deux Taverner, John Taverner et John Taverner. Le premier qui date de la Renaissance et qui est une musique absolument sublime des grandes cathédrales anglaises du 16e siècle, et John Taverner, plus récent, plus moderne, mais qui a écrit une musique pour chœur qui a une esthétique très, très médiévale et renaissance aussi. Le mariage des deux est absolument fabuleux. Deuxième concert à l'abbaye, un trio qui vous racontera des conversations intimes et profondément italiennes, la musique de Vivaldi, etc. Et nous avons pour l'occasion la grande oboïste Louise Pellerin, que vous aimez beaucoup, entourée de Luc Beauséjour au clavecin et à l'orgue, et Robert Langevin, première flûte du New York Philharmonic, qui vont vous faire ses conversations italiennes. Hors série. Enfin, quatre concerts qui ne se classent dans aucune série, peut-être dans une série hors série. D'abord, la grande soprano Lila Clare, qui a fait ses premières armes à Montréal il y a plusieurs années et qui, à peine dans la trentaine, est devenue une vedette du Metropolitan Opera et la protégée personnelle de James Levine. Ben, elle revient nous chanter, entre autres, des leaders de Strauss et de Brahms, mais tout un programme extraordinaire avec piano. Lila Clare, la fabuleuse soprano. Ensuite,
la visite toujours bien attendue de Kent Nagano, qui va diriger notre orchestre pendant une soirée, répétition publique, où on a l'impression d'entrer à l'intérieur du processus tellement intime entre un chef et son orchestre. Ensuite, toujours pour exprimer cette relation et cette synergie entre les diverses formes d'art, un concert qui met la danse moderne à l'honneur. Alors d'abord, dans la première partie, les amours du poète de Schumann, le Dichterliebe, avec piano, qui sera dansé. Et en deuxième partie, la visite principale de Margie Gillis, qui nous fait un résumé de son immense et fabuleuse carrière avec un danseur, Ted Robinson, et Jean Desmarais au piano. Un concert danse-musique à ne pas manquer. Enfin, pour couronner la saison en beauté et de façon un peu plus populaire, nous allons avoir un concert qui s'intitule « Les Beatles baroques ». Il s'agit d'un groupe de Green Bay qui s'appelle « L'Harmonie des saisons », un groupe de musique baroque épaulé par les Boréades de Montréal et de nombreux autres musiciens qui jouent des instruments baroques dans la région de Montréal et de Québec. Des fabuleux musiciens, une dizaine de musiciens. Eh bien, ils vous jouent les arrangements des plus grandes chansons des Beatles à la sauce baroque et à leur façon. Un concert haut en couleur et en rythme à ne pas manquer. Une visite au Centre d'art Orford ne serait pas complète sans ses expositions d'art visuel. Un total de 6 cet été, soit dans la galerie qui est attenante à la salle de concert que nous appelons l'espace Yves Trudeau, soit sur les murs de la salle de concert à l'entrée. Plusieurs expositions, voici les 3 principales. Jean-Michel Correia, Yong-Suk Kim Lambert, ainsi que Gilles Bossé, de la sculpture, de la peinture, toutes sortes d'expositions pour vous. Cette série de concerts est complétée par tous les concerts étudiants qui ont lieu plusieurs fois par semaine, parfois, tout l'été, et qui sont gratuits et qui présentent ces étudiants extraordinaires qui viennent à l'Académie prendre les conseils des grands maîtres qui y enseignent. Ils viennent de 30 pays, ils sont de très, très haut niveau et ces concerts sont toujours très, très courus. Orford se déplace en région dans la série Orford sur la route et présente également dans une dizaine de municipalités nos meilleurs étudiants dans des concerts ainsi présentés autour d'Orford. Notre ciné-club cet été vous transporte dans l'univers de l'opéra. D'abord, puisque c'est le bicentenaire de Wagner, il était très difficile de passer à côté du Ring. Pas au complet, mais certainement bien encadré. Le premier ciné-club lors du règne de Wagner, le début du Ring. Le dernier ciné-club de l'été, Le Crépuscule des Dieux, la conclusion du Ring. Entre les deux, 3 autres ciné-clubs, une Flûte enchantée, une Traviata, un Chevalier à la rose, tous des opéras extrêmement populaires dans les meilleures versions possibles. Enfin, pour plus de détails, consultez notre site Internet au art, au pluriel, trait d'union, orford.org. Vous y trouverez tous les détails pertinents pour chacune des activités du Festival Orford 2013, où il me fera grand plaisir de vous y accueillir. Le Festival Orford 2013, du 13 juillet au 18 août. Une présentation d'Hydro-Québec.